10 millions de voyageurs par an transiteront par la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger. Pour l'heure, 4,5 millions de voyageurs seront transférés progressivement de l'actuel aéroport international vers la nouvelle aérogare qui sera inaugurée le 29 avril prochain. Cette nouvelle infrastructure aéroportuaire est dotée de 120 banques d'enregistrement, 12 tapis bagages, 54 ascenseurs, 37 escaliers mécaniques, 9 tapis roulants et 21 passerelles. Air Algérie sera la première compagnie aérienne à exploiter la nouvelle aérogare avec des vols destinés à Paris avant de transférer le 6 mai prochain les dessertes vers les autres villes françaises. أسبوع من بعد نديروا كل الرحلات تاع الخطوط الجوية الجزائرية رحلات الخطوط الجوية الجزائرية تروح لفرنسا من بعد نديروا كل الخطوط الجوية الجزائرية تروح كل العالم. Le reste des vols internationaux seront transférés vers la nouvelle aérogare au fur et à mesure, tandis que l'actuel aéroport international accueillera les vols domestiques et vers le Golfe, alors que l'aéroport national sera consacré au vol du pèlerinage. En parallèle de la mise en service de cette nouvelle aérogare, une ligne ferroviaire reliant l'aéroport international d'Alger à la gare routière de Beb Zouar sur une distance de plus de 2 km sera inaugurée.